Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi que je vais vous présenter, c'est la quête légendaire qui est de réussir des tirs dans la tête. Et cette quête va vous permettre de récolter 275 000 XP quand vous l'aurez complètement terminé. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir réussir des tirs dans la tête. Alors vous allez devoir faire premièrement 20 tirs, puis deuxièmement 40 tirs, ensuite 60, ensuite 80 et pour finir vous allez devoir faire 100 tirs au total dans la tête. Alors pour faire des tirs tête, vous pouvez utiliser toutes les armes que vous voulez. Cependant, moi je vous conseille d'utiliser le petit gun qui fait un peu moins de dégâts dans les tirs tête. Ce qui vous permettra de mettre plus de tirs dans la tête pour éliminer la personne, ce qui vous permettra d'augmenter plus rapidement dans le défi. Alors je pense que les tirs tête fonctionnent aussi sur les personnages qui sont dans la map. Donc quand vous croisez un personnage, tirez-lui dans la tête, comme ça, ça vous aidera à réaliser le défi plus rapidement. Et si vous voulez vraiment que ce soit rapide, n'hésitez pas à utiliser une PM. Comme ça, vous lui mettez une rafale de tir dans la tête. Et là, je pense que ça augmentera super vite votre défi. Alors, je pense que ça fonctionne aussi sur les gardes. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne contre les personnages qui se trouvent dans la map de Fortnite et contre les gardes. Comme ça, si vous avez essayé et que vous le dites en commentaire, ben, on sera fixé directement. Alors, si ça fonctionne avec les personnages de la map, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages. Et si ça fonctionne contre les gardes, bah je vous affiche une map aussi avec tous les emplacements des gardes. Alors bien entendu, si vous voulez faire des tirs dans la tête des autres joueurs, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne. Vous aurez beaucoup plus facile à réaliser ce défi en foire d'empoigne. Maintenant, on passe aux quêtes épiques. Alors le premier défi sera de faire sauter des trous de pêche au reste du requin, à Sweety Sands ou à l'étang poissonneux. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'utiliser un canot motorisé et pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des canots motorisés. Alors ensuite, vous allez devoir vous rendre au requin et là avec votre bateau, vous allez tout simplement tirer sur un trou de pêche. Donc un trou de pêche, c'est là où vous pouvez voir des poissons sauter et qui forment un rond dans l'eau. Donc vous tirez avec votre bateau un missile dans ce rond là et là vous aurez fait sauter un trou de pêche. Alors je ne sais pas si vous êtes obligé d'aller à Sweety Sands ou à l'étang poissonneux pour le faire, mais je vous montre quand même l'emplacement au cas où vous êtes obligé de faire un trou de pêche dans chaque emplacement. Mais je pense que si vous faites sauter 3 trous de pêche à un seul emplacement, logiquement ça devrait fonctionner parce qu'il n'est pas marqué « et » mais il est marqué « où ». Donc je pense que ça nous donne l'opportunité du choix. Mais je vous montre quand même l'emplacement de Sweety Sands pour ceux qui ont oublié où ça se trouvait. Mais bon, c'est noté sur la map, mais on ne sait jamais. Alors l'emplacement de Sweety Sands, vous pouvez le voir dans le gameplay. Et là, ben, tout simplement avec votre bateau, ben, vous faites la même chose que je vous ai expliqué au requin. Donc vous cherchez un trou de pêche et vous tirez un missile dedans. Et ensuite, il y a aussi l'emplacement de l'étang poissonneux. Donc celui-là, il n'est pas noté sur la carte, donc je vous le montre dans le gameplay. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bateau. Donc si vous voulez faire sauter un trou de pêche à l'étang poissonneux, il vous faudra une grenade. Et quand vous aurez fait sauter 3 trous de pêche, bah vous débloquerez 20 000 XP. Le deuxième défi est de détruire des canots motorisés. Alors pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des canots motorisés. Comme ça, ça vous facilitera la tâche. Ensuite, bah rendez-vous tout simplement à un endroit où il y a plus ou moins 3 canots motorisés. Comme ça, vous prenez une arme et vous détruisez 3 canots motorisés pour débloquer 20 000 XP. Le troisième défi est de faire sauter des trous de pêche sur l'île de Lazy Lake, au lac des Canoës et près de Steamy Stack. Alors pour réaliser ce défi, vous serez obligé de faire sauter un trou de pêche dans chaque emplacement cité dans le défi. Donc le premier emplacement, c'est l'île de Lazy Lake. Donc rendez-vous à Lazy Lake, comme vous le voyez dans le gameplay. Prenez un canot motorisé qui est juste à côté, ou alors prenez une grenade. Et là, vous cherchez un trou de pêche et puis ensuite, ben, vous tirez dedans pour le faire exploser. Alors quand vous avez terminé le premier emplacement, rendez-vous au lac des canoës que je vous montre dans le gameplay. Là pareil, prenez un canot motorisé ou une grenade et faites sauter un trou de pêche. Et le troisième emplacement se trouve à Steamy Stack. Là pareil, rendez-vous au même endroit que moi sur le gameplay, prenez un canot motorisé ou une grenade et ensuite faites sauter un coin de pêche comme vous le voyez dans le gameplay. Quand vous aurez fait sauter un trou de pêche dans chaque emplacement que je viens de vous montrer, vous débloquerez 20 000 XP. Le quatrième défi est d'attraper du poisson. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir pêcher 7 poissons au total pour débloquer 20 000 XP. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poissons.
Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Sleety Stronghold, qui se trouve juste au-dessus de Pleasant Park, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Ensuite, trouver une petite canne à pêche et là, pêcher dans les coins de pêche. Parce que si vous pêchez hors des coins de pêche, donc hors des ronds où il y a des poissons, ben vous aurez beaucoup plus de difficultés à pêcher des vrais poissons. Donc à cet endroit-là, logiquement, il y a énormément de coins de pêche. Donc normalement, vous allez réussir ce défi très facilement. Et n'hésitez pas à réaliser ce défi en foirant point. Comme ça, ce sera encore plus facile. Le cinquième défi est de signaler les copains du corail. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Coral Castle, comme vous le voyez dans le gameplay, et au même endroit que moi, vous verrez qu'il y a des petits coquillages où vous allez pouvoir interagir avec. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec un de ces coquillages pour signaler les copains du corail. Donc si jamais vous interagissez avec un seul coquillage et ça ne fonctionne pas, ben n'hésitez pas à interagir avec tous les coquillages dans l'ordre pour voir si ça valide votre défi. Et si ça valide le défi, ben vous débloquerez 20 000 XP. Le sixième défi est de détruire des bateaux. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille de vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay. Vous verrez, à cet endroit-là, il y a 7 bateaux à détruire directement. Et ils sont tous un à côté de l'autre, donc ça va être très rapide. Donc vous détruisez les 7 bateaux et vous débloquerez 20 000 XP. Alors si jamais le lieu est trop convoité par les joueurs, bah n'hésitez pas à aller à Craggy Cliff. Là aussi, il y a plein de bateaux, donc vous pourrez réaliser votre défi facilement. Le septième et dernier défi est de détruire des tonneaux de pêche. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller à Craggy Cliff comme je vous le montre dans le gameplay. À cet endroit-là, il y a plus de 7 tonneaux de pêche à détruire. Donc rendez-vous à cet endroit-là, détruisez les 7 tonneaux de pêche et vous débloquerez 20 000 XP. Alors si maintenant l'endroit est trop convoité par d'autres joueurs, ben n'hésitez pas à vous rendre au lac des canoës comme je vous le montre dans le gameplay. Là aussi, il y a pas mal de tonneaux de pêche, il y en a plus de 7 aussi. Donc vous pouvez vous rendre à cet emplacement-là pour réaliser ce défi. Et n'oubliez pas de le faire en foire d'empoigne, ce sera encore plus facile. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite saison 5. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soclimet et ciao. Peace.